Envie d'aventure sans sacrifier le confort? Le camping-car Rimorcel 9 est-il le secret des familles baroudeuses? Découvre-le dans la vidéo où j'explore le camping-car conçu pour les grands groupes. Est-ce le début de tes plus belles histoires? Hey, salut que c'est bienvenue dans les réflexions du petit Marcel en camping-car ou motorhome pour mes amis les ch'tis belges. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations. Je suis Marcel, mieux connu sous le nom de Petit Marcel. Je serai ton guide dans le fascinant monde des véhicules de loisirs, particulièrement si tu explores pour la première fois ce merveilleux passe-temps. Mais bien sûr, pas seulement pour les débutants, hein. D'ailleurs, est-ce la première fois que tu regardes une de mes vidéos? Tu veux découvrir ce que je te réserve? Eh bien, clique sur le lien qui apparaît pour obtenir une brève présentation de 3 minutes sur ce à quoi tu peux t'attendre. Et toi, quelle est ton expérience avec les camping-cars? Laisse un commentaire ci-dessous, j'aimerais connaître ton avis. Aujourd'hui, je me rends dans l'une des concessions Libertium. Celle-ci se situe à Metz Sud, en France. C'est une nouvelle concession que je visite. C'est en Moselle, à plus ou moins 60 km de la frontière luxembourgeoise et autant de la frontière allemande. Tu débutes dans l'univers des voyages en camping-car? Bienvenue au club des primo-accédants. Avant de vider ton porte-monnaie dans ce qui pourrait ressembler à une maison sur roue, j'ai un conseil à te filer. Pourquoi ne pas tester le terrain en louant d'abord? Et quand je dis tester, je ne parle pas de jouer au petit bateau, hein, mais de naviguer avec style sans engourdir tes précieuses économies. Louer avant d'acheter, c'est comme faire un essai gratuit de ta future vie de nomade. Cela te permet de découvrir les joies et les peines du camping-car sans aucun risque financier. Convaincu? Alors file lire mon article où je détaille tout et cerise sur le gâteau. J'ai même négocié 10% de réduction pour ta première location, voire les autres aussi évidemment. Cela se passe chez un concessionnaire où je traîne souvent mes guêtres pour des reportages. Intrigué? Suis la flèche. Rimor fait partie, si ce n'est pas le seul, à proposer de nombreuses implantations et finitions de camping-cars capucines. Et ça c'est top pour les grandes familles. Ce type de véhicule est prévu pour une famille permettant de voyager jusqu'à 7 personnes. Évidemment, avec certaines contraintes, il se sera généralement plus tôt pour se rendre dans un camping. C'est d'ailleurs avec ce genre de camping-car que j'ai débuté il y a plus d'une décennie de cela maintenant. La finition Seal, je ne sais pas comment on le dit, est la deuxième la plus complète du constructeur Rimor. Cela va certainement changer ma perception que j'ai eue lors du premier véhicule de Rimor que j'ai filmé, qui lui était le premier niveau de finition. Côté option, il y a une indispensable que Rimor, comme la plupart des marques qui font partie du groupe Trigano, ne fournit pas et laisse le soin au distributeur de le fournir. C'est la batterie. Cela permet à Trigano d'éviter d'assurer la garantie. Pour le reste, c'est une fenêtre supplémentaire pour la salle d'eau et le pack Gold qui contient la porte moustiquaire, les housses de siège, la fenêtre à la porte d'entrée et un grand frigo. Bref, pour moi, ça devrait être de série. Côté dimension, 7 mètres de long, 2,30 mètres de large hors rétroviseur et 3,5 mètres de haut. Et même avec une antenne parabolique, hein, puisque la capucine sera toujours plus haute. La hauteur intérieure est de plus de 2 mètres. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche, hors option, est de moins de 2 tonnes 900 kg. Il est annoncé à un peu moins de 800 kg de charge utile. À ta calculette? Eh bien oui, le compte n'est pas bon. Bon, sur le coup, si vous êtes nombreux, ce véhicule peut être considéré comme possible à utiliser à condition de prendre certaines précautions si vous êtes à 7. C'est un 7 places carte grise avec des couchages pour 7 à condition d'avoir des enfants. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, pour autant évidemment que ton permis ne te le permette. Sans frein sur ta remorque, ce sera les 750 kg
réglementée. Personnellement, nous voyagions assises et j'avais une remorque de 750 kg pour alléger le poids de mon camping-car. Et nous étions limite, hein. Ce sera la solution idéale si vous voyagez à 5. Pour moi, à 6, ce sera déjà une surcharge assurée. Et à 7, ce ne sera plus possible car tu perdras une place carte grise en plaçant un attelage. J'explique cela dans la vidéo dont le lien apparaît en haut à droite de ton écran. C'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2 litres 200, ses 140 chevaux et sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui ont été choisis par Rimor. 6 rapports par Rimor, ça rime. Si vous êtes nombreux et que tu voyages avec une remorque, piano piano, tu es en vacances dès que le moteur démarre. Et pas quand tu es arrivé à destination. Le trajet fait déjà partie de tes vacances. Le réservoir de carburant est le traditionnel 75 litres, 75 litres, celui de l'Adiblue est de 19 litres. Pense à ajouter de l'additif dans ton Adiblue. Cela empêche sa cristallisation et les ennuis qui en découlent. Je profite du soleil, c'est pas beau ça. Au niveau de la cellule, les parois et le toit ont une épaisseur de 30 mm et le plancher de 56 mm. Le tout est en polyester. Il n'est pas possible d'avoir des informations concernant la composition de l'isolation. Rimor est très discret. Côté chauffage, chauffe-eau, c'est le traditionnel Truma de 4000 watts qui fonctionne au gaz et qui a un boiler de 10 litres. Pour ton eau chaude, hein. Et comme il y a très peu de chances que tu te balades dans le nord en hiver, pour moi cela pourra être suffisant. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 20 litres d'eau propre quand tu roules. Mais le réservoir peut contenir 85 litres quand tu es arrivé à ta destination. Ce qui est normal pour ce type de véhicule qui doit être le plus léger possible pour le voyage. Côté eau usée, ce sera 100 litres. Je ne peux que féliciter Rimor, même s'il s'agit probablement plus d'un choix économique qu'écologique. Ce n'est que mon avis, hein. Mais l'important est que le risque de débordement soit évité. Et ça, c'est le cas. Tu pourras prendre aussi l'option réservoir d'eau isolée et chauffée. Mais ça alourdit la monture. Au niveau des couchages, le lit capucine mesure 2,20 m sur 1,46 m. Les lits superposés, il y en a deux et ils sont à l'arrière, te proposent 2,20 m de long et 92 cm de large, 92 cm. Le lit double dinette fait 1,88 m sur 1,25 m et le simple dinette 1,43 m sur 68 cm. C'est clair qu'au niveau du couchage, voyager à 4 est l'idéal, les lits dinette étant prévus pour jouer à Tetris tous les soirs. Je trouve d'ailleurs que le Rimor Seal 50 est plus propice pour dormir à 6. Mais il y a moins de soute, donc une remorque incontournable. Au niveau ambiance, il est possible d'avoir en option le tissu siège couleur cerise. J'espère que c'est la noisette de base qui est sur ce véhicule-ci. Si tu as déjà fait un tour sur mon blog lepetitmarcel.eu, tu sais que c'est comme un peu le guide Michelin des nouveaux venus dans ce monde fascinant de voyage de camping-car. Et ce n'est pas seulement enrichissant pour ton esprit d'aventurier, c'est aussi un fabuleux carnet de rencontres improbables. Pour ajouter une petite épice à cette aventure, j'ai concocté quelque chose de spécial. La possibilité de rendez-vous en visioconférence pour te guider pas à pas dans tes recherches. Et devine quoi ? C'est comme un secret bien gardé, mais certains d'entre vous sont déjà dans la confidence. Plus qu'une simple consultation, c'est un véritable échange convivial, une sorte de rendez-vous galant avec le destin de tes futurs voyages. Alors, curieux ? Tous les secrets pour décrocher ton ticket pour ce tête-à-tête sont dans la description de cette vidéo et aussi fièrement affichés sur la page d'accueil de mon blog. C'est le deuxième que je te montre ici et lui aussi, il a configuration, une implantation intérieure vraiment différente. C'est quand même le Fiat, le porteur Fiat Ducato, ce qui me plaît bien. C'est encore le modèle 2024 parce que 2025, vous allez voir, il va y avoir du changement. Voilà, rien de spécial à dire, il n'y a pas de feu d'anti-brouillard, quoi que ce soit. Et ici, ce sont quand même des optiques diurnes en LED et ça, c'est bien. Tu vois évidemment sur le dessus, c'est une fameuse capucine. Alors, c'est bien parce que c'est des lits fixes à l'intérieur,
enfin presque fixe, tu vas voir, je vais t'expliquer ça. Et ça, c'est bien pour quand on est dans des familles nombreuses, par exemple. Particularité, hein, c'est quand il pleut, ça s'arrête plus ou moins là et ça goutte là. Mais ton pare-brise là au-dessus n'est jamais mouillé. Ce sont des jantes en agage de 15 pouces, comme je l'ai expliqué l'autre fois. C'est normal, ça a des segments d'entrée, donc voilà, c'est plutôt ça qu'on offre. Tollé aussi, et ce sont des pneus de marque Continental Vanco Camper. J'ai entendu dire que les Vanco Camper étaient arrêtés, et ça veut dire qu'ils vont être remplacés par les Vanco Contact. Mais si tu as un souci avec un pneu, tu devras remplacer les quatre pneus, sache-le. Donc, renseigne-toi, peut-être que c'est un moyen de négociation. Là au-dessus, il y a une baie qui est au niveau de la capucine. Puis on a encore une ici au niveau du salon. Là, c'est une trappe, tu vas voir après à quoi elle sert. La porte, elle fait 56 cm de large. Il y a un éclairage au-dessus, et ça, c'est plutôt bien, et qui fait aussi office de cornière au cas où il pleut. Bon, ils sont sales, mais je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est le sable du Sahara qui a décidé de venir nous dire bonjour ici dans le nord de la France et ici aussi en Belgique. L'intérieur de la porte, on le verra évidemment quand on sera à l'intérieur. Sache que tu n'as pas de marche électrique ici à l'extérieur, c'est des marches simples à l'intérieur et c'est pas mal, ça t'évite d'avoir des soucis. Tu as une deuxième roue, deuxième c'est très bien, on sait qu'on pourra démarrer au moins d'un côté. Le reste, on va le voir de l'autre côté. Je rigole évidemment, une baie qui n'est pas affleurante, hein, de nouveau, mais c'est normal sur ce type de véhicule, hein, puisque c'est plutôt des véhicules qu'on ne va pas utiliser trop fréquemment, c'est plutôt rare, hein. La majorité des gens l'utilisent plutôt les grandes vacances dans des campings, donc pas trop de soucis de sécurité, mais sinon, ce type de baie est très facile à ouvrir. L'électricité et ici, le frigo. Absorption, hein, je l'ai expliqué. C'est loin derrière, donc c'est une implantation qui est atypique. La soute, on la verra après. De ce côté-ci, ben, tu as encore une baie derrière. Et nouveau, ça c'est un peu original, hein, parce que c'est quand même pas fréquent sur des véhicules d'avoir des ouvertures à l'arrière du véhicule. Voilà, on va découvrir évidemment cela rapidement. Ce sont des optiques tout LED, et ça c'est bien. J'ai envie de dire, t'as pas de caméra, rien du tout, il faudra la rajouter, évidemment. Ici, ben, la deuxième porte de la soute, tu as l'ouverture pour ta cassette WC, et là au-dessus, évidemment, ce qu'il faut pour avoir de la lumière dans ta salle d'eau. Je pense de mémoire que la douche est avec la toilette dans ce véhicule. C'est la cheminée pour ton chauffage Truma, ici c'est pour ta réserve d'eau, voilà. Et encore une grande baie au niveau du salon. Et alors là, c'est évidemment pour tes bonbonnes de gaz. Et ici, le sempiternel reproche que je fais à Fiat, hein, enfin au groupe Stellantis, parce que toutes les marques de ce groupe-là, c'est le même système. Sauf Iveco. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi le groupe Stellantis ne profite pas de l'expertise de Iveco pour changer ceci qui reste ouvert à tout vent. Et n'importe qui voudrait t'embêter avec ton Adiblu peut le faire. Il y en a, comme d'autres marques, hein, qui remplacent ceci, même dans un profilé ou dans un capucine, avec une petite trappe. Ils ont mis des charnières ici et ça se ferme dans la porte. Ça, c'est très bien. Au niveau de la porte, lève-vite électrique pour régler tes rétroviseurs à gauche, à droite, en haut, en bas. J'essaie de faire ça bien. Tu vois, il n'y a pas d'occultant sur l'avant. Et donc, j'espère qu'ils ont au moins prévu le système d'isolant avant tout ce qu'on met sur les carreaux. Ici, c'est pour ton frein de stationnement et il est manuel. Bon, ce ne sera sûrement pas le cas sur ce véhicule, mais sache que sur Fiat, tu peux l'avoir électrique. Et tu vois là, intéressant, tout est écrit comme de quoi tu peux 3,5 tonnes et donc tu as 2 tonnes, comme je te disais, que tu peux tracter avec un maximum de 5 tonnes 500. Bon, ça bouge. Hein.
Tu vois, regarde, ici, tu ne sais pas les accrocher avec du vent, ça se referme. Ça, bon. Bon, quand tu le laisses comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas de vent, ça le fera. Tu vois, et ça, ça m'épate, hein. Regarde, tu vois, avec le vent. Crash sensor, ça veut dire que ce soit roulé avec le gaz ouvert. Très bien. Donc ça veut dire que tu auras au moins une mire avec le système de sécurité. Probablement pas les deux. Je le vois d'ailleurs, non. Mais tu as la place pour mettre un inverseur automatique, etc. Mais ça, ce sera des suppléments. Mais tu auras au moins pour rouler avec une bonbonne ouverte. Ça, c'est plutôt bien. La cassette. Alors là, évidemment, comme tu as la cheminée, il ne saurait pas mettre quelque chose pour le caler, ce qui est normal. Et là, sur le coup, compte pas mettre des produits, tes produits chimiques dedans. Il faudra que tu ouvres une autre portière, une autre soute, par exemple, mettre tes produits bleus dans celui des bonbonnes, hein, par exemple. Mais il faudra que tu en ouvres deux quand tu fais ta vidange. C'était de l'autre côté. Alors, au niveau de la cassette, ou essai, écoute, c'est la simple, basique. De nouveau, on est dans l'entrée de gamme, donc voilà, mais c'est basique. Et là, j'ai envie de te dire, il y aurait un petit effort à faire. Tu vois, il y a des colsons, mais il en manque. Voilà. Sinon, rien de spécial à dire. Et je te rassure, voilà, tu vois, quand il y a du vent, c'est compliqué. Et je te rassure, tu auras le bouchon avec. Bon, voilà. La soupe. Un peu spécial. Bah, c'est original, différent en tout cas. Alors là, tu vois. Ah, t'as un aimant. Et ça, c'est bien. J'ai envie de dire, ça, c'est bien. Et alors, tu vois, on est déjà à l'intérieur. Parce qu'en fait, ta soute, c'est aussi ta chambre à coucher pour des enfants. C'est un véritable blender et ça, c'est bien. T'as métallique des points d'ancrage. Voilà, c'est pas des glissières, mais t'as au moins des points d'ancrage et c'est pas trop mal. Là, ça chauffe la soute. Petite soute. Et si tu soulèves ceci, tu vois, on le fera de l'intérieur, tu peux ouvrir, doubler ta soute. Mais alors, il faut que vous voyagez à trois. Parce que tu ne sauras plus dormir, là. Voilà, ça, c'est une contrainte. Alors, je te le montre. Tu as les enjoliveurs qui sont là. Tu as les tapis pour mettre à la porte à l'avant. Tu as les bonnets de nuit, les bonnets d'hiver pour ton frigo. Et tu as les housses pour tes sièges avant. Donc, ça, c'est bien. Évidemment, ce qu'il te faut pour monter au lit, que ce soit à l'avant et ici, surtout en lit pliant. Je mesure la soute. 70. Alors si tu ouvres, mais alors t'as plus de lit, hein, 1m30. Et sinon, 57. Le porte-à-faux, qui est assez évidemment, mais c'est un peu normal. Hein. Voilà. 220, 2m25. Fais attention à mes doigts. Hein. Sur 45. Ça c'est original, mais c'est tout plastique, hein, faut le savoir. Voilà, tu vois. Alors, c'est ce que je te disais. Tu as l'isolant pour les fenêtres à l'avant. Tu as... Il y a tout ce qu'il faut pour ton frigo. Tu as les housses de siège et tu as les manchons avec. Et on voit que c'est bien. Hein, voilà. Par contre, j'ai pas vu de lumière hein, ici. Mais bon, est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu en as quand même besoin, ça aurait été bien d'avoir une lampe de chaque côté. Mais voilà, c'est pas ça qui va faire. Hein. Ici, c'est tous les, je vais les mettre derrière, mais c'est tous les coussins pour te permettre de faire un lit supplémentaire. Parce que je pense que c'est dans celui-ci où on peut voyager à 7. Mais bon,
pourra vouloir, hein, comme je l'ai expliqué en préambule. Hein. Je les bouge comme ça, tu vois, ça va être du Tetris. Hein. Mais comme ça, on va pouvoir mieux regarder le reste quand on sera à l'intérieur. Et je ne les abîmerai pas. Et tu vois, mais on va le voir de l'intérieur, tu as une ouverture là. Voilà. Et ici, c'est pour ta batterie. Tu as tout ce qu'il faut pour toute ton électricité. Alors, tu n'auras pas tellement le choix dans les batteries. Hein. Alors, à propos des batteries, il faut savoir que, par exemple, Chausson Challenger limite à un maximum de 150 ampères sur ta batterie. Donc, il faut bien te renseigner avant, parce que tu ne sauras pas forcément mettre ce que tu veux. Lithium, pas lithium, AGM, etc. Renseigne-toi bien là-dessus avant de signer ton mot de commande, parce qu'une fois que c'est signé, c'est signé. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai réalisé un article complet sur le sujet dont je t'ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est sommaire, mais c'est là. Voilà, bon. C'est du plastique. J'ai envie de dire voilà. Je referme. Et maintenant, on rentre à l'intérieur. Au niveau de la porte, je ne te l'ai pas dit, mais ce sont des charnières cachées. Je ne sais plus comment on dit. Mais tu as compris. Bon, c'est du simple. Hein, c'est du simple. Mais quand je dis c'est du simple, c'est un point de fermeture. Alors, de nouveau, ce type de véhicule, je te dis, ça va plutôt être pour aller dans des campings, etc. Donc, c'est moins important. Mais l'avantage quand tu as deux points de fermeture, c'est que si on a une qui lâche, tu peux continuer à rouler, quoi. Moi, je me rappelle dans mon chanson que j'avais où il n'y avait qu'un point de fermeture, j'ai dû jouer avec des lanières, des sangles pour pouvoir l'accrocher sans abîmer où je mettais la traction, évidemment. Pas la traction, hein. La traction. Eh donc, c'est un peu... voilà, moi, je préfère quand même deux points de fermeture. Sinon... C'est du papier, tu ne sauras pas les laver. Ça, c'est du métal, dommage. Voilà, c'est pas de l'artal, hein. C'est du Skunizi. Skwinzi, voilà, j'ai bien dit. Très basique, hein. Rien de spécial. Voilà, elle est toute seule, aimantée. Ça, j'ai envie de dire, ça jure avec, avec la porte, quoi. Ça, c'est dommage, la porte, vraiment. Mais là, voilà, et c'est bien. Hein. C'est du métal, hein. Faut pas croire. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est bien. Il y a même un vérin. Tu vois, tout est parfait. Il y a juste, allez, deux points de fermeture, ça aurait été génial. Maintenant, sache qu'il y a encore un niveau ultime en termes de finition. Peut-être que sur celle-là, Super Bring, je crois que ça s'appelle, peut-être que sur celui-là, c'est deux points de fermeture. Détail, mais j'aime bien être complet pour que tu saches tout. Et avant de rentrer, tu as vu les tapis, ils sont là-bas, tu les auras, donc tu ne te tracasses pas, il y aura des tapis, et c'est bien parce que tu n'as rien d'électronique, d'électrique, tu sauras toujours utiliser tes marches, et ça c'est bien. C'est du plastique, voilà, mais ça t'aidera à monter, mais en général on est jeune hein, sur ce type de véhicule. Une bouche d'aération et la prise électrique, on est déjà dans la cuisine, l'éclairage, on voit ça de l'intérieur. Je rentre et on fait le tour rapide. Allez, on démarre par le tour en détail et on commence évidemment par l'avant du véhicule. Tableau de bord basique, mais tu as quand même déjà les commandes au volant. Par contre, pas volant, les cuirs, etc. Mais de nouveau, c'est très classique sur ce type de véhicule. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans les portières, tu as ton porte-gobelet accessible, parce qu'il était déjà avant, mais pas accessible. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ici, tu n'as pas de porte-gobelet, c'est un vide-poche. Alors, comme tu as les porte-gobelets là, c'est pas grave. Hein. Pas de tapis de sol, j'en ai pas vu derrière non plus, donc prévois d'avoir, négocie-les, tu les auras, ils te les offriront. multimédia, il faudra que tu le mettes. De nouveau, c'est assez classique sur ce type de véhicule. Pour le reste, là,
Et alors, en description, et tu auras une vidéo de 2-3 minutes qui t'explique la totalité du tableau de bord. Que dire d'autre? Maintenant, il risque d'avoir quelques petites modifications. Dans quelques semaines, quelques mois, je vais dire, on va avoir les nouveaux véhicules Fiat 2025. Mis à part, je pense qu'ils deviennent tous full digital, sinon ce sera fort la même chose de ce que j'ai vu. Voilà, donc tu n'as pas d'occultant, je te l'ai dit, mais ce sont des un thermique que tu mets à ventouse, et tu as aussi évidemment, c'est basique, tu n'as rien pour les faire tenir, tu tournes les sièges, et moi quand j'étais à l'arrêt comme ça, eh bien là, on mettait toutes les choses qu'on n'utilisait pas, c'est un gain de place, un supplément de soute à l'arrêt, voilà. C'est du basique, pourquoi pas? Bon, tu peux tourner les sièges évidemment. Oui, ils sont. Donc tu vois, à ce moment-là, évidemment. Mais voilà, je me dis, ils auraient peut-être pu mettre des scratchs ou des pressions. Et là, un petit scratch pour les mettre ensemble. Quoi. Voilà, mais bon, ce coin-là, je te dis, moi, je ne les utilisais pas forcément. Quoi. Sur le coup. À l'avant, tu as une petite marche, mais une petite marche, et c'est la seule marche qu'il y a dans le véhicule. Et puis alors, évidemment, là au-dessus. Ça, c'est pour éviter que tu te cognes la tête. Hein. Mais attention, parce que si tu oublies de le relever, tu te cognes la tête et tu t'assommes. Avec ça, tu vas dans le pare-brise, donc. Voilà. Allez, j'ai pas pris l'échelle, je vais quand même... te montrer, c'est quand même un semi-halate avec le système de sécurité. Le matelas pour ce type de véhicule, il est bien, franchement il est bien. Il y a là au-dessus une règle avec des petites lampes et pour une belle aumônière pour mettre tes affaires, c'est très bien. Il manque une prise USB, mais sur des règles comme ça, tu sais, en clipsé, donc c'est un moindre mal. Il y a aussi des tentures pour que tu sois vraiment isolé, et ça c'est bien le soir, franchement c'est bien. Aussi pour aérer, ici il n'y a pas de lanterne au toit, mais j'ai envie de dire hublot parce que j'aime bien hublot, comme pour beaucoup, mais quelque part c'est pas tellement grave, dans le sens que cette fenêtre là, elle fait bien son travail. Et là, en plus, c'est un risque d'infiltration d'eau, d'une part. Et si tu ne fermes pas le store du lanterneau, ça te met un coin qui sera tout déjauni à cause du soleil, parce que je suppose que tu vas aller au soleil. Ce qu'il y a de bien, hein, c'est qu'ils ont mis un peu de matelasserie dessus. Voilà, c'est pas fort, hein, mais ça est là, et tu auras moins mal, quoi. Donc, c'est bien. Mais pour l'avoir pratiqué, c'est très bien. Tu as de l'espace, c'est grand, c'est très confortable. Moi, quand on roulait, je sais bien ce que je vais dire, on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. On ne peut pas rouler. On ne peut pas se coucher quand on roule. Il faut être attaché. C'est comme ça. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours. Et ben, moi, il y avait trois de mes enfants qui étaient là. Donc ça, je mettais la charge à l'avant, histoire de ne pas être en surcharge à l'arrière. C'est des trucs de débutants qu'on fait ça. Maintenant, je ne le ferai plus, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a démarré. Voilà, sur le coup, à l'avant, c'est fait. Alors, regarde l'espace du salon. C'est vraiment prévu. Et je pense que celui-ci, tu sais mettre 7 personnes. Oui, c'est ça. 2 personnes à l'avant, 2 personnes à l'arrière, 2 personnes ici et un enfant, un petit enfant là. Donc, tu sais faire 7 couchages. Vraiment, c'est super pour des grandes familles. Je commence d'abord par les armoires. Ok. Alors, tu as de l'espace, évidemment, pour une grande famille. Hein. J'ai envie de dire. Ah, c'est normal. Je tourne de l'autre côté, comme ça, je l'ouvre ici aussi. Bon, c'est un peu spécial, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Voilà. Au niveau des charnières, on ne discutera pas. C'est des bonnes charnières et tu as un petit piston dedans. Donc voilà. Ici, tu as un grand espace, tu vois. C'est bien, ça ne tombera pas. Là,
ça ne bouge pas, c'est très bien, tu as une tablette. Et tu vois, ils ont mis une tablette, comme ça tu peux mettre des petites choses, et là, pour mettre des grandes choses. Écoute, bien, hein. Bon, là, tout est plastique, mais tu vois ça, par exemple, dans un Florian Fleurette, hein, donc on va pas trop. Le look est ce qu'il est, on n'aime pas, évidemment. Voilà. Voilà, ça il est bien mis. Là, c'est une petite pâte d'alu, c'est joli, de l'éclairage. Et tu as encore là au-dessus, et c'est bien parce qu'ils ont mis un rebord aussi. Tu pourras mettre, nous par exemple, on mettait les jeux d'enfants, on mettait notre pharmacie, hein, la boîte avec tout ce qu'il faut quand on se blesse, etc. Donc, c'est très bien. Tu as encore ici pour mettre plein de petits broles, et c'est bien parce que ils ont mis une pâte comme ça qui va jusqu'au bout. Il y en a d'autres, ils s'arrêtent là, et ça, ça reste vide, ouvert, et tout peut tomber. Ici, c'est pas le cas. Bien, bien. Évidemment, tu le vois, c'est la même chose de ce côté-là, sauf que tu as une armoire en plus, ce qui est normal, évidemment, j'ai envie de dire. Voilà. Écoute, le look, il est sympa. Il y a ici l'interrupteur, voilà. Et forcément, comme on a dit, tu en auras un là aussi. Donc, tu pourras vraiment gérer comme tu veux. Et c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Sur le coup, on va faire les sièges. Et là, tu pourras mettre un coussin. Donc, à mon avis, on va pouvoir faire la fête ici. Hein. Mais de nouveau, hein, c'est clair. Je pense que les parents vont dormir là. Et le reste, c'est les enfants. Quoi. Si tu en as beaucoup, ben... Les plus petits, ce sera là. Mais dis-toi que si ici si tu fais des lits, tu auras les édredons, les coussins et tout ça qu'il faudra que tu ranges à chaque fois. Hein. Donc, il faudra trouver de la place dans le reste du véhicule. Hein. Bien qu'il est grand, hein, parce que franchement, là, les volumes intérieurs, ils sont vraiment bien faits. Hein. Vraiment. Ces fameux coussins. Hein. C'est bien, parce qu'ils resteront là, tu ne dois pas les bouger. Tu as du rangement. Et tu vois, là, c'est pour tes bonbonnes de gaz. Du rangement. C'est simple, mais allez, ça c'est vraiment pas important du tout, hein, franchement. Je remets le coussin. Alors, c'est le fait qu'il est grand comme ça qui fera qu'il tiendra en place. Hein. Mais moi, il y a même des scratchs sur le bout là. Et très bien. En fait, tu as des scratchs qui fait que ils resteront. Ouais. Le principe est là. Je suppose que si tu le mets convenablement, ce sera le cas. On regarde sur l'autre, c'est la même chose l'autre. Hein. Tu vois? Et hop, hop, hop. Et là, c'est ta citerne d'eau avec ta pompe. Voilà. La pompe, il y a des cils en bloc, mais ça fera du bruit, c'est indiscutable. Mais de nouveau, hein. Ce type de véhicule, on ne peut pas lui demander la même chose qu'un grand véhicule, quoi. Mais tout est accessible. Hein. Tout est accessible. J'ai pas vu de sécurité. Non, je vois pas de sécurité, donc il faudra quand même faire attention en hiver de bien vider les circuits d'eau. Hein. Là, c'est une planche qui s'enlève. Tu vois. Hop, on la met comme ça. Il n'y a rien de spécial, évidemment. Là, comme ça, tu le vois. Je suis vraiment content de te montrer un Rimor. Ben, vous avez d'abord été assez nombreux à me le demander, donc je suis assez content. De ce côté-là, même chose les attaches. Hein. Regarde, facile, franchement, très facile. Et en plus, tu as le scratch ici pour tenir l'autre siège. Là, c'est du rangement, il n'y a rien, mais tout est utilisé. Ça, c'est super bien. Quoi. Vraiment, là, ça m'épate. Évidemment, celui-là, il est un peu moins... Ah ben non, il tient aussi. Lui, il est plus fin, mais il tient. Et là, c'est encore du rangement. Donc, tout est utilisable. Et moi, je connais les prix. Je peux te dire, c'est pas trop cher. Bon. C'est du classique, hein. Mais... Je vais pas te dire que c'est moche, hein, parce que franchement, que du contraire. Vraiment. Bon, c'est des cliquets. Mais sur ce type de véhicule, on s'en doute. Tu vois, ils ont mis une petite fenêtre contrairement à l'autre, tu vois. Comme ça, ça permet en fait d'ouvrir la porte sans qu'on casse la fenêtre. Bien, ils ont vraiment pensé à tout ça. Tu as
C'est du métal, hein. Ah, tu sauras les laver. Bon, c'est pas tout à fait... c'est entre le papier, c'est pas tout fin, mais c'est pas non plus les meilleurs, hein. Mais je pense que tu sauras les laver quand même. Et ça, c'est du métal, hein. J'ai envie de dire bien, il y a juste les cliquets, quoi, mais bon, voilà. Bien. Je te montre de l'autre côté, évidemment, hein. Ça va être la même chose. Probablement que tu sauras mettre une télévision ici, mais il n'y a rien pour la télévision. À mon avis, tu as tout ce qu'il faut pour mettre la télévision ici. Et je te dis, mets-la le plus bas possible. Ou alors, tu mets un truc qui glisse comme ça, mais ça, tu la remontes quand tu ne l'utilises pas, mais tu as l'armoire. Donc, je pense que tu dois vraiment la mettre plus bas, mais c'est beaucoup mieux. Les accoudoirs sont réglables. Je m'assieds pour tester. Oh, on connaît bien. C'est de l'italien. On est bien. Écoute, tu es vraiment bien. Tes enfants rouleront agréablement. Vraiment. Voilà. Regarde, ils ont même mis du matelas comme ça là. Enfin, du matelas. C'est molletonné, matelassé. C'est super, franchement. Et c'est bien, est-ce que c'est la couleur noisette? Parce que cerise, c'est fort rouge. Moi, j'aime pas trop. Mais ça, c'est moi. Hein. On regarde un coup, mais donc tu seras bien assis. On regarde un coup la table. La table, en fait, elle va t'aider à faire le lit. Hein. Voilà. Très, très légère. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Tu peux l'enlever. Hein. Hop, tu vois. Voilà. Et moi, dans les deux chaussons que j'ai eu deux chaussons, la barre, alors que franchement, je faisais déjà très attention. Elle s'était détachée, ils avaient dû remettre un grand bois pour pouvoir refixer la barre. C'était vraiment... voilà. Ici, il n'y a pas l'air que tu auras des problèmes. C'est vraiment bien, bien tenu. Voilà. Et ça, ça te sert évidemment de sommier. Ici, il n'y a pas de sommier à latte, hein. C'est logique, hein, mais... on a deux là et deux là, ça fait quatre avec des sommiers. Tant pis pour les trois autres. Hein. Alors, hop, très facile à remettre. Hein. Et tu la mettras, celui qui a des longues jambes de l'autre côté, bien. De l'autre côté, évidemment, c'est la même table, en plus petit, évidemment. J'ai fait le salon déjà. Je vais finir le salon par les tableaux ici au-dessus. Donc là, chauffage au gaz, tu vois, sinon avec gaz, électricité, il y aurait un petit logo là. Pour régler la température de l'intérieur, régler la température de l'eau, la ventilation, si jamais tu as des problèmes, tu dois le mettre là, etc. Bref, c'est très classique à Linet. C'est encore l'ancien, parce que le nouveau, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Le nouveau est vraiment différent et pas mal. Sur le coup, là, sur le tableau, je ne sais pas si tu vas bien le voir, mais tu vas sur Info, et là, tu vois, c'est... on ne voit même pas. Franchement, c'est un peu compliqué. Peut-être que bon, les auxiliaires, je ne sais pas les mettre. Là, c'est pour l'éclairage à l'extérieur. Là, c'est les zones pour éclairer. Là, c'est l'info. Là, c'est pour tes branches à électricité. C'est-à-dire ce qu'on m'a dit. Mais voilà, je pense que ça risquerait d'être un petit point faible. Je pense. La sonde pour ton chauffage, pour moi, elle est mal mise. Trop haut, parce qu'il fait, dans ces véhicules qui sont très hauts, il fait toujours très chaud là. Par contre, elle est juste en dessous de la porte. Donc, moi, plutôt, j'aurais mis de ce côté-ci, tu vois. Bref, c'est comme ça. Cuisine. Et ça va vite, hein. Cuisine. C'est très joli. Yeah. c'est original, en tout cas. On reste dans le même look, hein. Ici, évidemment, l'éclairage. C'est très bien parce que tu as un lanterneau, un hublot, un OptiMarcel 40-40. Donc, tu mettras un... turbovent, je te le dis, tu dois le mettre. Ça te permettra d'aérer évidemment l'intérieur du véhicule, mais surtout de faire office de hôte. Et ça, c'est bien. Tu as encore un là, tu pourrais le mettre là aussi, mais moi personnellement, je le mettrais ici. Alors moi, si j'ai ce véhicule, j'en mets et un là et un là. Donc ça, il y a une extraction de ce côté-là et une aération de ce côté-là. C'est moi. Crédence typée vraiment de chez Rimor. Hein. C'est la même chose évidemment, hein, tout à fait. Tu as des petites deux patères, tu peux les mettre toutes, c'est bien. Bien, voilà. Même armoire évidemment avec rétroéclairage. C'est la même chose. Il hein. Faut plier, il faut s'habituer tout simplement. Charnière, tu n'auras pas de souci. Hein. Vraiment là. Et c'est. Allez, ça me semble être assez costaud. Thank you.
franchement, c'est pas mal. Oh, hein. Ici, c'est du classique ici, hein, c'est du début. Hein. Voilà, hein, bon, c'est du métal. Hein. C'est du métal. Mais bon, voilà, basique, pourquoi pas. Moi, je sais que ça, nos débuts, on a eu ça et c'était très bien. Et on avait le même chose. Et ici, tu as même le piezo qui n'était pas sur l'autre, tu vois. Sur le mien, je parle. Hein. Donc ici, tu as même du piezo. Trois tacs, il les faut, hein, pour des trois points de chauffe, il les faut quand tu es en grande famille. Hein. Maintenant, il faudra bien calibrer comment tu vas faire, parce qu'il y en a toujours un qui n'est pas facile à utiliser. Mais, ils sont là. Moi, je n'avais pas le piezo électrique, et ça change la vie, ça, c'est des petits détails. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Ah oui, ça, ça fait du bruit quand tu roules, tu vois. Tu vois, et là, non, ils sont fixes. Mais, donc, nous, ça faisait du bruit, et on mettait un feutre qu'on met entre les assiettes ou les casseroles pour ne pas que ça fasse du bruit, mais on en mettait un là, ou une lavette, hein, je ne sais pas comment vous dites, torchon, serviette, je ne sais pas comment vous dites en France, hein, mais qui coince, qui dépassait un petit peu, comme ça, c'était pas tout à fait esthétique, mais en tout cas, c'était efficace, ça faisait pas de bruit quand tu roulais. Voilà. Alors, évidemment, c'est moins cher une porte des tiroirs. D'un autre côté, c'est du bon métal qui est là. Tu as de la place de rangement. Bon, hein, beaucoup de câbles. Les arrivées de gaz. Peut-être mis... Allez. Moi, je bricole une petite paroi au fond pour ne pas qu'on aille toucher ça avec les choses qu'on mettrait dans l'armoire. Sinon, c'est super basique. Hein. Super basique. Mais c'est un véhicule basique. Mais ça, c'est du métal. Hein. Et là. Et là, dans d'autres, tu aurais une armoire. Ici, tu as quand même un tiroir. Hein. Voilà. Tu vois, on est un petit peu en pente. Hein. Voilà. Et. Bon. Je sais pas si c'est du métal. Mais ça, c'est du métal. Et là. Et là, c'est directement sur le bois. Bon, moi, je pense que tu ne te tracasseras pas. Tu as pour ton range couvert, tu as même pour mettre tes bics et tout ça, c'est ce qu'on met, nous, les ciseaux, etc. Et pour ce type de véhicule, il est pas mal. Il y a un bon concurrent. Hein. Je ne sais pas si tu mets autant de personnes. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a un bon concurrent, c'est l'Adria que j'ai déjà fait, que je t'ai déjà présenté. Il faut aller le voir. Il est dans mes coups de cœur, mais... Voilà, comme ça tu as vu. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Franchement, fini la cuisine de ce côté-ci. Hop. Là, ça aurait mérité d'avoir une planche en plus. Mon avis, hein. C'est mon avis. Mais voilà. Tu l'as pas. Puis frigo. Tu vois, il est allumé. Je vais l'éteindre. Tiens, tant qu'il est là. Il est en automatique, ça veut dire qu'il y a du courant, il se met sur le courant. Mais tu peux le choisir, soit l'électricité, soit la batterie, mais forcément, ça n'ira pas. Hein. Il dit où, erreur. Soit au gaz, et là, il va te dire aussi, après avoir essayé de l'allumer, erreur. Quoi, hein. Voilà, donc je vais le laisser sur l'électricité et je vais l'éteindre. Ne jamais le mettre à fond, parce que ne crois pas qu'il va refroidir plus. Pour moi, ça, ce sera le maximum. Voilà, je l'éteins, donc ça, on est certain. Voilà. Tu n'as pas d'ailettes dans le conservateur et tu as des ailettes ici. Donc, mais par contre, ici, tu as une petite grille qui n'y a plus sur d'autres. Donc, ce n'est pas dans les top, mais ce n'est pas non plus les plus mauvais. Et c'est un tête forte. Et moi, entre les deux, je préfère tête forte à Dometic pour des raisons de SAV. Alors, on finit ici. Ah, mes amis les bricoleurs, vous allez pouvoir, parce que là, même si vous êtes à 7, moi, personnellement, on pourra mettre des robes, hein, mais je mettrai une tablette. Hein. Je pourrais le soulever, mais je ne vais pas le faire. Voilà. C'est grand quand même. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait mettre peut-être un tiers, hein, donc ça, tu la gardes deux tiers, et là, une paroi et deux, trois planches pour mettre, parce que sinon, tu n'as pas forcément beaucoup de rangement. Hein. Hein? Non, hein, parce que tu as les armoires, mais tu as beaucoup d'affaires à faire. Hein. Là, c'est la cuisine, donc on va pas mettre de choses dedans. Mais... Et alors, tu vas me dire, mais il faudra bouger tout pour aller chercher en dessous des sièges. Quoi. Et là, tu vois, c'est ton chauffage accessible. Et tu as
le système de sécurité, très, il est complet. Hein. Moi, je suis impressionné. Impressionné, je te le dis. La chambre, on va d'abord faire ça. Tu vois ici, l'échelle, elle vient se mettre là. C'est du plastique, hein, c'est pas du métal. Et ça, c'est bien, hein, pour monter. Donc ça, c'est pas bien. Évidemment, c'est pour celui qui vient ici. Hein. Tu vois, tu as des prises USB, si je vois bien. Oui, tu as des prises USB. De l'éclairage. Basique, mais tu as ce qu'il faut. Mais les matelas. Mais franchement, je suis épaté. Moi, pour ce type de véhicule, c'est bien. Alors lui, je ne sais pas où il va. Il a sûrement un endroit, parce qu'on l'accroche aussi. Je ne sais pas où, mais il est là. Et alors, ce qu'il y a de bien, je te montre. Hein. Donc là, c'est la même chose. Hein. Tu as des prises USB, un éclairage, là c'est interrupteur, voilà. Très bien, très bien. Alors tu vois, tu as un petit coussin là, c'est parce que comme ça, tu peux le soulever, celui-ci. Et ceci, bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas tout, mais ça soulève aussi. Et, mais ça c'est classique, hein. Mais c'est de l'alu, c'est... Je suis épaté par Rimowa jusqu'à maintenant, hein. Là, évidemment, ça va être la même chose que les autres. Hein. Bien. Bien. Alors, tu sais bien, je vais jusqu'au bout. Je me dis que là, lui, il ne faut pas qu'il soit claustrophobe. Ça aurait été bien qu'il se mette aussi une fenêtre là. Voilà. Voilà. Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Pourquoi pas lui? Ça, c'est dégueulasse pour celui qui va dormir en haut. Oh, oh, oh. Allez. Tu peux entrer? Regarde ça. T'as vu la hauteur? Eh bien, c'est parfait. Pourquoi? Parce que tu seras super bien mis pour aller à la toilette et tu seras super bien mis et sans passage de roue pour aller... Et vraiment, Rimowa, félicitations. Félicitations. Je teste tout de suite la toilette. Je te le dis sincèrement, je n'en reviens pas de l'espace, comment ils l'ont aménagé. J'ai dû refermer la porte, mais c'est parce que c'est avec ma mauvaise main. Je n'ai pas une mauvaise et une bonne main, mais c'est avec l'autre que je vais fermer, mais elle est occupée. Donc, ils sont vraiment ingénieux. Bon, là, honnêtement, la hauteur et tout pour la toilette, c'est parfait. Il y a juste que, il faudra que tu te mettes comme ça, mais si tu te mets comme ça, tu as zéro problème. Hein. Vrai. Voilà, il faut faire des concessions, c'est une. Et alors, bien, je vais rouvrir la porte. Voilà, ils auraient peut-être pu mettre un loquet, hein. Mais bon, détail, pour ta serviette, pour ton papier WC, franchement, un petit rappel comme dans la cuisine, tu pourras aller te laver les dents parce qu'il est assez haut et donc tu ne te cogneras pas, très bien, c'est du métal. Molette, moi ça me va bien. Hein, oh, 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 oh. Là, juste un petit truc pour les doigts, parce que sinon on va le salir. Mais t'as du rangement. Et là, il y a tout. T'as même une prise. Et tu as deux patères. Oh. Et regarde la douche. Oh, oh, oh. Et Rimowa, félicitations. Hein. Félicitations. Tu as des rangements en suffisance. Même ma femme serait contente. Oh, 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 regarde. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Un aimant. Tu peux évidemment le mettre là, mais... Bam. Et tu le mets où tu veux. Félicitations. Et tu as une petite aération là. Je vais la refermer, mais on voit tout de suite que c'est bien, quoi. Regarde. Bon, c'est un peu étroit, mais si tu te mets comme ça, tu te laves sans problème. Hein. Sans problème. Hein. Regarde. Même avec ma grande carrure, je sais, moi. Et là. Alors là, ils auraient pu monter un petit peu plus haut, mais c'est tellement haut que je pense qu'ils auraient pu gagner un peu, parce que comme lui, il sera, tu te mettras de ce côté-ci pour te laver. Voilà. Mais c'est vraiment tellement minime. Et la facilité, regarde. Hop. Et quelqu'un doit aller à la toilette quand tu es
dans la douche, on peut. Hein. Bon, maintenant, vous verrez, évidemment. Je mesure 80 de large, 55 de profond et 1m96, 1m96 de haut. Sans passage de roue. Simple bonde. Voilà, mais le bac est tellement grand, tu pourras mal le déborder. Bien. Voilà, c'est fini. On a fait le tour. Maintenant, je fais la conclusion. C'est fini, c'est vite, je trouve. On le fait. J'ai déjà été très heureux de pouvoir te présenter le Primor Sail 50. Vraiment, pour voyage à Assise, il est idéal. Et celui-ci, il m'épate. Vraiment, là, c'est un véhicule assez simple. Mais dans le segment, tu sais, tu ne peux pas demander non plus. Voilà, il en faut pour tous les investissements. Parce que si c'est un truc qu'on part en famille comme ça, ça veut dire qu'on est encore dans la vie active, qu'on n'aura pas l'occasion vraiment de l'utiliser tout le temps. Voilà, on ne peut pas non plus mettre des budgets, tout son argent de poche là-dedans, quoi. Donc, ça représente... Moi, j'ai déjà fait le test, hein, parce que j'ai démarré avec ce type de véhicule. Hein. Il n'était pas aussi bien que celui-ci, hein, je te le dis. Franchement, non. C'était les chaussons flash et le GA, je ne sais plus quoi, ça ne méritait pas celui-là, et encore moins l'Adria que j'ai fait. Hein. Franchement, là, mais de nouveau, c'est ce que j'explique. Quand tu démarres, tu vas dans une concession, tu crois que tout est là, et en réalité, tout n'est pas là, et puis tu te décides sur ce que tu vois. Et c'est toujours les trucs les plus faibles, etc., le moins cher, qui présente. Celui-ci, en termes de rapport qualité-prix, je ne dévoile pas le prix maintenant, mais il est de bon compte. Sincèrement, il est de bon compte. Voilà. Donc, pour démarrer, grande famille, il est bien. Est-ce qu'il y a des choses de bloquantes? Je vais te dire, zéro. Zéro. T'as un espace pour une famille, c'est extraordinaire. Vraiment. Point d'amélioration, il y a quelques baies à cliquer. Moi, personnellement, je mettrais des molettes à la place. L'idéal, évidemment, pour moi, ce serait des vérins. Mais entre molettes et cliquets, moi, je mets les molettes. C'est clair, surtout cette grande vitre-là. C'est une sinécure pour l'ouvrir et la fermer. Point d'amélioration, au niveau de la penderie, elle est trop grande. Je mettrais... Tu pourras le faire, mais... Je pense sincèrement que c'est une grande famille, donc il faut qu'ils pensent à ça, quoi. Voilà. Le reste, je pourrais te dire des choses, mais c'est des choses que tu peux mettre en option, hein, tu vois, les occultants à l'avant, etc. Donc, je ne vais pas trop discuter là-dessus. Un regret, quand même, c'est la porte à un point de fermeture. Ça, pour moi, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Mais, mis à part ça, c'est un véhicule qui est vraiment réussi. Il est simple. Mais quand tu voyages, tu ne cherches pas la complexité. Hein. Tes enfants, ils auront bon. Vraiment. Je n'ai pas dit, mais les tables, elles sont très stables. Hein. Et c'est bien pour quand tu roules. Voilà. Il y a des choses, c'est pas aimanté, mais en tout cas antidérapant qu'on peut mettre. Comme ça, tes enfants pourront mettre ces gobelets sans renverser pour rouler. L'histoire de fermer les coussins, les enlever, etc. Très simple. Je félicite. J'ai oublié de te dire, je vais te le montrer, mais tu as une petite aumônière là. De l'éclairage, bah, tu l'as vu, hein, j'ai oublié de te dire qu'il y avait des points d'éclairage. Il est assez éclairé. Franchement, non, il fait gris dehors. Hein, donc, même quand il fait gris dehors, voilà. La salle d'eau, mais franchement, super. Pour une famille, c'est super. Il y a d'autres constructeurs qui devraient en prendre de la graine. Franchement, il y a juste les points qui me chatouilleraient, c'est le tableau de commande. Ça me semble très... Voilà. Ça, un petit loquet sur la porte de la toilette pour les enfants, ne pas qu'ils se disputent. Mais pour le reste, voilà, il ne faudra pas beaucoup d'options. Hein. Une petite batterie au lithium de 150... Ampère, comme ça t'es tranquille, parce que tes enfants ils vont puiser hein, avec les smartphones, etc. Donc, mets ça. On va te taper une 90, 90 ampères ou quelque chose comme ça en AGM. Sache que l'AGM, tu peux descendre juste un peu après la moitié. Donc, ça veut dire que tu n'as vraiment pas beaucoup d'ampérage de réellement disponible. Il faut que tu la recharges, quoi. Voilà. Il faudrait mettre panneaux solaires, etc. Mais moi, personnellement, une batterie au lithium, si je me déplace avec
leur chargeur du moteur, ce serait suffisant, plutôt que de mettre un panneau solaire, etc. Voilà. Bien. Quelques petits points que je t'ai dit. La seule chose, est-ce que je l'achèterais ? Ben, je vais te dire, si j'étais, quand j'ai démarré, si j'avais vu celui que j'ai vu, celui que j'ai acheté, et celui-ci, j'aurais acheté celui-ci. Sincèrement. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il est très, très bien étudié. Bien. Écoute, voilà. Maintenant, selon le budget disponible, hein, ce n'est pas selon qu'on soit riche ou pas, hein, c'est qu'est-ce qu'on met comme budget dans le véhicule de voyage, qui est du loisir, hein, donc au détriment d'autres choses. Selon le budget que j'aurais, ce serait celui-ci ou l'Adria, parce que l'Adria, il est dans mes coups de cœur, vraiment, mais il est plus cher, de mémoire, il faudra aller voir. Bien Rimor, je suis très heureux d'avoir fait celui-ci, parce que le Kilig que j'avais fait, allez voir, tu comprendras. Ici, on n'est plus dans le même monde, quoi. Alors que c'est la même marque. Je serais curieux de voir un super Brig. À mon Brig, je pense que je sais pas où ils vont chercher leur mot à moi. Je sais pas. Voilà. Maintenant, je te parle du prix tout de suite, avant de te dire où tu peux voyager avec ça. Bon, maintenant, il faut quand même être très clair. C'est des véhicules d'entrée de gamme où on essaie d'offrir un prix le plus bas possible, parce que les primo-accédants, quand ils voient les prix, ben, ils s'éloignent. Donc ici, c'est assez raisonnable, mais c'est toujours la même chose. Tu as une contrepartie. Et donc, tu as un SAV, hein, surtout de nouveau. Ce type de véhicule, je te le répète, vaut mieux faire quelques kilomètres de plus et être certain d'avoir le bon distributeur, parce que c'est vraiment lui qui va faire le lien avec la firme et avec ton véhicule en tout cas et avec la firme. Mais ce type de véhicule apprend à débrouiller tout seul parce que tu vas devoir faire des kilomètres, perdre de temps et puis ça te coûtera au bout d'un moment, il n'y a rien à faire. Je répète, hein, quel que soit le véhicule, dis-toi que quand tu reviendras de ta première sortie avec, il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'il faudra que tu passes au SAV. Alors, sur les véhicules de marques plutôt réputées, attention à la réputation, hein, mais allez, où on est, ben, tu passeras pour des petits réglages, et puis sur d'autres, ben, ça pourrait être des infiltrations, ça pourrait être plusieurs choses. Donc, voilà. Sur ce type de véhicule, Rimor, c'est comme Chausson, Challenger, McLouis, Elnark, etc. Je devrais même te dire Bavaria, par exemple. Il faut absolument que tu sois autonome en termes de régler des petits problèmes. Sinon, tu perdras ton temps, tu perdras de l'argent. Mais ça ne doit pas te décourager, quoi. Parce que c'est assez simple. En ce mois de mai, ce véhicule avec les options embarquées est vendu, remise déduite, à un peu plus de 63 600 euros. De base, il est affiché à un peu plus de 60 000 euros. Tu devras ajouter à cela les frais administratifs. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Tu pourras naviguer avec aisance sur les routes carrossables et emprunter celles qui sont en bon état. Toutefois, évite l'aventure sur des terrains moins praticables. Pour dormir, opte pour les aires de repos adaptées aux véhicules de loisirs et les campings, qui sont eux prévus pour accueillir ces dimensions. Garde à l'esprit qu'à l'avant de ce camping-car, il est conçu comme celui d'un fourgon. En d'autres termes, l'isolation n'est pas plus épaisse que celle d'une camionnette de livraison. Alors si tu te diriges vers le nord, pense à le couvrir pour éviter le froid, évidemment quand tu es à l'arrêt. Un isolant Soplair par exemple. Concernant le développement durable, le constructeur ne fournit pas d'informations à ce sujet. Est-ce important ou pas? Je te laisse juger. Tu veux faire ma journée et me mettre dans tous mes états? Alors balance un pouce en l'air comme si tu n'avais pas de lendemain et lâche un commentaire. YouTube adore ça et ça me fait danser de joie. Je vais même te faire une petite danse de joie en retour. Envie de voir ce qui se passe dans les coulisses, là où même YouTube n'ose pas aller regarder? Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour des moments tellement off que même les caméras rougissent.
trouve les liens cachés sous la vidéo comme des trésors enfouis. Hey, tu pars souvent en trip et tu oublies toujours quelque chose? Pas de panique, j'ai concocté une checklist infaillible pour que tu n'oublies plus jamais ton perroquet en partant en voyage. Et devine quoi? Elle est gratos pour ceux qui s'abonnent à ma newsletter. Oui, c'est gratuit. Comme les blagues de ton oncle au repas de famille. Clique ici et ici pour t'abonner à ma newsletter et à ma chaîne YouTube. C'est aussi douloureux que d'écraser un bout de pain. C'est-à-dire pas du tout, évidemment. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec le seul et unique Marcel. Prends soin de toi. Ciao, ciao.